pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire donc une vidéo du Siri de Google, donc une alternative à Siri qui a été créée dans l'application Recherche Google. Donc dans Recherche Google, nous allons ensemble tester la reconnaissance vocale de Google. Donc pour commencer, nous allons télécharger l'application sur l'Apple Store. Donc l'application est gratuite, hein, c'est Recherche Google. Donc vous tapez Google comme ceci et ici Google Inc. ou Recherche Google, vous cliquez dessus. Donc voici l'application ici, donc moi je l'ai déjà installée, donc vous avez juste à la télécharger puis installer l'application, donc elle est ici gratuite. Une fois que vous l'avez installée, l'icône apparaîtra sur le springboard, donc vous vous rendez sur l'icône apparue sur le springboard, donc qui est ici. Donc comme ceci, donc nous voyons ensemble donc ici la reconnaissance vocale qui est en dessous, vous cliquez dessus pour rechercher quelque chose. Donc par exemple, nous allons tester hein, comme ça. Bonjour. Donc vous voyez qu'elle reconnaît assez bien IJBN. Mais par contre, au niveau des lettres, donc regardez, elle ne recherche pas correctement. Donc il faut bien épeler IJBN. Donc comme ceci, et le site IJBN.fr apparaît. Donc voilà, donc c'est plutôt une méthode qui est pas mal, hein, puisque elle a été améliorée et elle fonctionne à peu près bien. Donc nous allons tester autre chose. Je. Donc comme ceci, donc nous avons Apple. Donc voilà. Donc voilà pour le test de cette application. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez revenir en arrière comme dans l'ancienne application Google. Donc voilà, ça a été pas mal d'inventer ça pour Google et ils ont fait du très bon travail. Donc c'était Charlie, dites-moi ce que vous pensez de cette reconnaissance vocale et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de me laisser un commentaire. À très bientôt.